En Jésus-Christ, le Seigneur fait encore grâce à chacun de nous pour que nous capables de retrouver nous pour continuer l'étude de sa parole. En effet, le Seigneur servit avec Jude pour qu'il ait écrit une lettre adressée à ceux qui sont appelés à ceux qui sont aimés en Dieu le Père et à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. En effet, pour nous continuer cette étude, nous allons aborder deux versets ce soir, les versets 8 et 9 du livre de Jude. Jude, les gagnants seuls seul chapitre, les situés avant l'Apocalypse, et nous allons faire la lecture des versets 8 et 9. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Parole du Seigneur. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et au cours des études précédentes, surtout la dernière étude que nous avons fait, nous avons abordé différentes condamnations que Jude rapportait dans cette lettre, dans ce chapitre. Nous avons abordé la condamnation des faux prophètes. Et dans l'étude antérieure, nous déjà considéré la condamnation des incrédules ceux qui eh, ont péri dans le désert des Israélites nous t'ai abordé également la condamnation des mauvais anges ce sont ceux qui ont abandonné leur demeure et nous te promis que la dernière partie de cette étude nous et ou well, Aswea, c'est la condamnation ignorée. Mais avant, nous avions abordé également la condamnation des dépravés, Sodome, Gomorre et les villes voisines. Donc, pour aujourd'hui, nous allons aborder la condamnation ignorée par ces faux prophètes qui se sont glissés dans les congrégations. Les congrégations d'hier, d'aujourd'hui et peut-être de demain si notre Seigneur Jésus-Christ tarde à venir. Donc, la condamnation des faux prophètes, nous sommes capables de dire Et c'est ça que nous voulons aborder ce sujet avec vous ce soir. Peut-être nous sommes capables de dire mais comment ils ont fait ignorer. Tout ça que vous connaissez, puisque cela se retrouve dans les saintes écritures. Comment les prophètes d'aujourd'hui, t'as dit que vous pas jamais tombé sur ce passage de Jude. Au moins, yo as gagné les informations qu'il faut de telle sorte que ta connais. Comment vous t'adoué comporté comporter Est-ce que pas est de Jude? Est-ce que vous parlez de Pierre? En effet, nous pas le comprendre, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Jude, se constate que bien des hommes yo glisse dans les congrégations en dépit de de ce qu'ils entendent en dépit de ce qu'ils savent de la parole de Dieu. Oui, ils sont au courant. Et ils ont à toutes sortes de vices. C'est ça, Jude dit nous au verset 8 que nous sommes Lipou » pour Nous allons relire et de espérer que nous ouvre ensemble avec nous de telle sorte que nous sommes capables d'essayer entrer vraiment dans l'idée que Jude voulait partager ensemble avec nous au verset 8 il écrit malgré cela cela veut dire malgré de ça autant de malgré de ça qu'on est, ces hommes aussi et maintenant, il nous souligner le terme aussi que Jude utilisait là parce que Jude décadi ces hommes entraînés par leur rêverie mais il dit ces hommes aussi Entraînés par leur rêverie. Et puis ils le pralbaï, les trois chefs d'accusation le retenue, ils souillent pareillement leur chair. Nous sommes des dinos nous le mot pareillement. Ils souillent pareillement leur chair. Ils méprisent l'autorité. Deuxième chef d'accusation. Et troisième chef d'accusation, ils injurient les gloires. Alors, nous sommes dit nous que. Souligner le terme aussi. C'est un terme utilisé pour établir la comparaison entre comportement de ces faux prophètes. Tendez ça bien. Jude utilisait ce terme parce que moins il était capable de dire ces hommes entraînés par leur rêverie, mais il dit ces hommes aussi entraînés par leur rêverie. Cela veut dire que l'hymne li, li, éternant, c'est juste pour être capable d'établir la comparaison entre comportement de ces faux prophètes et le comportement des anges déçus. Donc, selon le verset 8, « En pile yot, qui qu'ils laissaient par leur imagination, qui laissait entraîner par leurs mauvaises pensées, ils ont nourri à l'intérieur de eux de mauvaises pensées, et eh bien qui s'écrivaient ils sont devenus des insensés, ils sont devenus des dépravés. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jude prêle le qualifier yo, de rêveur. Regardez ça bien au verset 8. Entraînés par leur rêverie. Monsieur Sayo y oublié, ils ont ou à côté. Ils font fi de toutes les lois divines. De toutes les lois divines. Ok, alors, Judinou, ils souillent leur chair il mettait pareillement c'est pour faire référence ouais, à, et, 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 aux, aux anges déchus et moi dit-nous que ces premières charges retenues contre eux mais que yo ont deuxième charge ils méprisent l'autorité mais ils y aurait ça troisième charge ils injurient les doigts. ils y aurait ça on nous essayer Comprendre, ça, ça veut dire Ils souillent leur chair. nous à comprendre, c'est parce que ils livrent à l'impudicité. Ils donnent satisfaction à leur appétit malsain. Donc, cela veut dire, nous comprenons, elle m'a parlé de... apeti malsen, nou je chèche an mwayen pou mwenen pou m atenye le mò, nou ka komprende le dè term apeti epi kel sòt d'apeti, apeti malsen. E mwen di nou ke yo ap chèche bay satisfaksyon a lòr apeti malsen, a l'insta dèz abitan de Sodom e de Gomor. Donk nou ka komprende otomatikman qui Sodome et Gomor, vive Et maintenant, Jude voulait montrer donc que c'est faux prophète. Songez que ce n'est pas affaire Christ que vous venez régler. Songez que ce n'est affaire pas yo que vous venez régler. Et puisque c'est affaire pas yo que vous venez régler, donc vous allez livrer yo à n'importe quoi. Et Jude écrit, ils souillent leur chair. Deuxièmement, je dis, et c'est le deuxième chef d'accusation, il méprise l'autorité. Peut-être que nous t'a commandé, non, mais comment méprise-t-il l'autorité? Ce sont des hommes qui, premièrement, la Bible n'a pas fait autorité sous eux. Ce sont des hommes qui, lors eux, la Bible dit. Ils ont même mis interprété de telle sorte que ils ont un bagage qui allait dans l'intérêt personnel. Yo. Donc, ils méprisent l'autorité scripturaire. Ils ont l'autorité de la parole de Dieu. Mais bon, dit-nous également, ils ont méprisé et yo traité avec insolence. Et là, je prêter ma attention parce que Bral dit nous, vous méprisez et traité avec insolence tous serviteur serviteurs de Dieu. Tous les vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'on je suis obligé de mettre le terme vrai. Toute autorité ecclésiastique qui t'a exhorté de mauvais comportements. Donc, il méprise l'autorité. Alors, ils sont pareils aux anges rebelles. Ils sont pareils à ces gens de Sodome et Gomorrhe. Et nous nous rendons compte que Judith dit, ils méprisent l'autorité. Troisièmement, Judith dit, ils injurient les gloires. Peut-être Amandé, Qu'est-ce que cela veut dire Injurier les droits. Nous nous compte que... Combien de monde... Qui glissait dans l'église... Que le Seigneur... on était pris dans une mauvaise condition... De vie... Que vous mené... Et mettait à l'intérieur... D'une congrégation chrétienne... Côté au temps de l'évangile... Mais malgré... yo chanje de kan, men yo kontinwe ap atak, des atak kontre Diyo. Je di bien, yo kontinwe avèk des atak kontre Diyo. Konbien, ki an dan kongregasyon an, konbien ki an dan kongregasyon an, e, pandan ke yo la, se kom si yo te gen klou yo an konan men yo, pou klou we, notre seigneur jésus-christ à la croix ils injurient les gloires ce sont des attaques contre les brebis du seigneur et toute attaque contre les brebis du seigneur contre le corps de christ c'est une attaque contre christ lui-même yo l'autre aspect nan yo l'autre aspect à nous le saisir ils agissent à la manière de certains Israélites incrédules. » Bon, on reprend, ça me dit là, pour nous. Ils agissent à la manière de certains Israélites incrédules qui disent, dans Nombre 14, le verset 3, Nombre 14, le verset 3, « Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte c'était la pensée des Israélites. Et malgré que mon les rentrait dans les congrégations chrétiennes, mais ils ont une attitude pareille aux Israélites incrédule. Alors, ils injurient les gloires. Ils injurient les gloires. C'est deuxièmement attaque contre les ministres de Dieu. Je dis bien. Contre les ministres de Dieu. Je ne parle pas ici contre les faux prophètes, je parle attaque contre les ministres de Dieu parce que ce sont des personnes que le Seigneur élevait en dignité. Et comment ils agissent envers eux Ils les jugent en raison de leurs intérêts. Et même ceux qui, dit, qui glissent et qui dans entre nous. Qui prend des promotions parmi et, 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 et dans les congrégations, il y aura juger les vrais serviteurs de Dieu. Je ne parle pas des faux. Parce que quand les vrais serviteurs de Dieu, montrent que le Seigneur levé en dignité, voulait faire ou comprendre l'évangile, eh bien, à partir de ce moment, ils ont jugé ces vrais serviteurs en raison de leurs intérêts, parce qu'ils ont un intérêt dans la congrégation. Ils ont affiché le non-respect à l'égard des vrais serviteurs de Dieu. Et ça qui compte beaucoup plus grave, c'est là qu'ils ont cherché par des moyens à disqualifier ou bien à rabaisser les vrais serviteurs que bon Dieu mettez au service de Yo même. Donc, ils aient juré les gloires. Et c'est ça qui fait que et, et Jude, dans ce passage, voulait faire nous comprendre ça, que gagner trois charges retenues contre ces faux prophètes trois charges retenues contre les, inges, les instigateurs. Ils souillent leur chair, ils méprisent l'autorité, ils injurient les gloires. Et nous parlons que c'était même situation, même situation, dans le temps passé, là, parlé de, ils injurient les gloires, leur prend un nom, tant que Moïse. Un serviteur de Dieu. Et nous prenons le que parmi le peuple d'Israël, comment ils ont injurié le serviteur Moïse. C'est extrêmement grave. Mais invitez-nous, on a lu dans le nombre 16, le verset 3, pour nous voir comment. Ils ont été traités Moïse et Aaron. Donc, nous 40, nous compte que des serviteurs que le Seigneur les well, mettait au service de son peuple, et comment ils ont traité Nombre 16, le verset 3. Ils assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Ils ont pris Moïse vous, Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'éternel. Mais c'est l'éternel qui mettait Moïse là. Ils injurient les gloires. Ils injurient les gloires. Nous, carrons nous compte que il y a de fois, il y a de monde qui entre dans l'assemblée. Et ce sont des faux prophètes. Ils viennent pour provoquer ils viennent pour accuser. Ils viennent pour plaider. Ce sont des avocats. Mais nous voir que. Parce que je me posais là aussi la question. Qui rapport étroit qui existait entre le verset 8 et le verset 9? Étonnamment, nous voir que au verset 9, Jude pral présenter un parallèle. Men yon paralel eksepsyonel. E se sa ke fèm te vini avèk kestyon de Moïse la. Ba mwè di sa mdia. Le m ap preparé etude la. M ap gade versè 8 la. M mandèm eske son kou de guidon ke jute fè. E m tap sachè le liye antre le versè 8 et le versè 9 paske jute pral introdüe le versè 9 par or ki sinifi poutan Pour qui ça C'est parce que les voulait présenter un parallèle. Et un parallèle exceptionnel, je, je dis. Parce que Jude va le présenter au verset 9, l'homme que nous pre, nou, nou prenons en référence, c'est l'affaire Moïse. L'affaire Moïse. Donc, on va relire pour nous eh, les versets 8 et 9, mais espérez que Bible nous a ouvris et nous ouvri et a gardé. Ces hommes aussi, les faux prophètes, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Gardez de guidon, Judas. Or, l'archange Michel, pour qui ça vit? monsieur vint avec un archange, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Ça, son gros coup de guidon, parce que nous parouons apparemment quel est le lien entre le verset 8 et le verset 9. Il dit que n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alors, nous dit qu'il s'agit là d'un parallèle exceptionnel, c'est l'affaire Moïse. Et pourquoi? Jude les, inclut cette affaire, l'affaire Moïse, juste pour montrer nous que même l'un des anges les plus puissants, ma pour reprendre ni pour nous, que même l'un des anges les plus puissants, parce que c'est un archange, un archange, c'est un chef des anges, il est beaucoup plus haut. Et l'archange Michel pas montrer une mauvaise attitude, pareille à sa faux prophète a fait. Il nous a fait montrer d'une attitude pareille à celle que les faux prophètes affichent. Et Jude, entre un détail qui attirait attention, Jude. Parler du corps de Moïse. Waouh! Je cherche la liaison. Parce qu'il s'agissait de faux prophètes, il s'agissait d'une situation tout autre. Comment se fait-il que Jude rivait là? Que se passa-t-il? On a ouvri parenthèse là pour dire nous dire que, en effet et malheureusement, la situation de Moïse, après le prénom, on dit, on, 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 on l'autre phase. La mort physique de Moïse. Deutéronome 34, 5, à l'âge de 120 ans, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Je me pose encore la question pourquoi cette affaire de Moïse Et là, nous sommes tombés dans une plaidoirie. Une plaidoirie exceptionnelle. Une plaidoirie exceptionnelle. En nous à lire Jude, le verset 9. Or, dans le sens de pourtant, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit. ke le Seigneur te reprime. Se versen nou zinvite a de profonde refleksyon, mè frèr et mè sèr mè mè mè. E mta remè ke nou note le verbe utilize. Le verbe utilize par jude, se yo soti nan mò kontestasyon et diskusyon. Kontestasyon et diskusyon. E mta kadi la rezon mè, Le mobile de cette dispute, de, de, de cette discussion, c'est le corps d'un serviteur de Dieu. Waouh Si c'est le corps d'un serviteur de Dieu, l'affaire est d'importance. Et nous prenons nous compte des interlocuteurs, les acteurs principaux de cette altercation, de cette contestation, de cette discussion. Il y a un défenseur. Notez bien ça. Verset 9. Il y a un défenseur et il y a un accusateur. Songez que nous n'avons pas de chercher quel est le lien établi entre le verset 9 et le verset 8. Voilà qu'il y a un défenseur, c'est l'archange Michel, dont la mission était d'empêcher toute réclamation relative au corps de Moïse. Bon Dieu, délégué, l'archange Michel, avec une mission spéciale de garder, de protéger le corps mort de Moïse. Alors que l'accusateur, le diable, monsieur tête les pour devoir, pour le vini parce qu'il est venu pour réclamer le corps de Moïse. Mais peut pose tête moi. Quelle question Quel est l'intérêt de cette plaidoirie entre l'archange Michel et le diable Quel est l'intérêt d'une telle plaidoirie Je me suis aussi posé cette question. Pourquoi discuter Mes frères, mes soeurs bien-aimés, tendez ça bien, ça m'a dit noir. Pourquoi discuter d'un corps mort, un corps sans vie On posait peut-être moins une troisième question. Pour qui ça bon Dieu déplacer un archange pour une telle affaire On continue à poser peut-être moins question toujours. À quoi ça servit ce corps de poussière, à quoi ça sert à l'adversaire Et dernière question posée moi, pour qui ça diable a discuter le corps d'un serviteur de Dieu Parce que nous connaissons que Moïse est un serviteur de Dieu. En Deutéronome 34, le verset 10, Deutéronome 34, le verset 10, là il est écrit Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Bon, je reprends pour nous. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Ah bon? Donc, ce n'est pas sans raison que bon Dieu délégué un archange pour protéger le corps de Moïse. Mais cependant, nous allons aller beaucoup plus loin dans cette question mais espérer que dans vos questions, nous sommes capables d'entrer débat beaucoup plus loin. Mais l'adversaire, le diable, qui a argument que le gagnant pour aller réclamer le corps de Moïse? Et dit nous que ces arguments, les arguments de l'adversaire, du diable, sont fondés. Nous prenons de qui s'est fondé. M'rah dit nous que c'est sur les erreurs commises par Moïse tout au long de sa vie. Parce que Moïse t'a fait erreur. Et diable-là vle servit des erreurs de Moïse. Première erreur, l'homicide. L'homicide sur la personne d'un égyptien. Nous songez, sacrivé et qui est rapporté en Exode 2 les versets 11 et 12. Bonne l'île pour nous pour nous cas Exode 2 11 et 12. En ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères. Et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il, qui remplace Moïse, tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Besoin de noter ça, parce que semble-t-il que adversaire là, note. Deuxième argument qui fait que me penser que le diable a réclamé le corps de Moïse. Deuxième argument, c'est la mise en pièces des tableaux de loi faites et écrites par Dieu. Nous songez ça. Moïse crasait les tableaux de loi. Des lois qui ont été faites, qui ont été écrites par Dieu. Nous allons lire deux versets pour nous. Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Nous allons nous rendre compte qui écrit loyaux, c'est l'Éternel qui écrit loyaux, qui écrit ordonnances pour son peuple. Et c'est lui qui bat Moïse les tables de, de pierre, l'Éternel. On a un Exode 32 verset 19, parce que Moïse les l'a retourné. Moïse, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Nous songeons à arrivé avec Aaron, qui prend de l'or ou une série de bagailles Nan men moun yo, el fon vò dò. Il vi le vò e le dans. La kolèr de Moïse s'enflama. Poin virgul. Il jeta de seme le table. Il jeta de seme le table. Yote nan men. Il jeta de seme le table. E le brisa. O pie de la montagne. Nou karen nou kont. Adverseya. Pren notte. Est-ce que nous, nous comprenons le parallèle exceptionnel que Jude essayait à faire le, le présenter accusateur ensemble avec euh, 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 défense là Est-ce Et voilà que le présente en parallèle au verset 8. On continue. Est-ce que. Adversaire a toujours, oui. Troisième argument. La terreur et la tuerie perpétrées sous les ordres de Moïse. N'a pas de côté ça. Exode 32, les versets 27 et 28. Exode 32, les versets 27 et 28. Là, il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Moïse a parlé. Et je souligner ça parce que je voulais retourner sous lui. Parce que en parlant de cette tuerie perpétrée sous les ordres de Moïse, regardez dans Exode 32, 27-28, il leur dit Moïse leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère, virgule, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Troisième argument que l'adversaire prend note. Mais quatrième argument. Argument que l'adversaire va prendre note, c'est la frappe sévère que Moïse infligea au rocher. Je vais reprendre ni pour non. La frappe sévère infligée au rocher. Moïse frappait au rocher. Nombre 20, 11a et b. Là, nous le Puis Moïse leva la main. Je reprends. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Donc, mes frères, nous carrons, nous compte que l'adversaire prend des notes des actes graves de la part de Moïse et Satan prend dit tendez ça bien. Satan, songez que moins dis-nous, nous en face de yon défenseur, l'archange Michel, qui est le défenseur dont la mission était d'empêcher euh, euh, toute réclamation relative au corps de Moïse, et l'accusateur qui est là, qui s'octroie le droit de possession du corps de Moïse. Donc, maintenant. souman vinè avèk kayè de chaj li pou l'montre ke Moïse ou pa ka vin defan ni. El pralè si louen nan kayè chaj li pou l'di ke Moïse te ap travay sou l'od bal pou son kont. Je vè kwa, e se mwen kap esyeye comprendre que, imaginez-vous qu'il y a un défenseur, il y a un accusateur, donc la plaidoirie fut sûrement intense. Et j'imagine, j'imagine, mes frères et messieurs bien-aimés, qui ça, l'adversaire, le diable, pral dit à Michel-Ange, l'archange Michel, -Ange, qui pral dit concernant le serviteur? Et là, mes frères et mes soeurs bien-aimés, notez cinq points que M. Kapab dit. Premièrement, il est capable de dire que l'éternel fit de Moïse, un libérateur. Non songez pour te libérer le peuple d'Israël. Eh bien, l'adversaire est capable de dire. Je fis de lui un meurtrier. Nous songez, l'Égyptien, qu'elle tuait. Deuxièmement, Dieu parlait à Moïse au sommet du Sinaï. Bon, en bas, mon nom moi-même, l'aile descend, je parle avec elle. Je fais écraser de loyer bon Dieu te mettre les tables de loi Et au troisièmement bon Dieu te les des tables de loi monsieur comprendre les agit comme un législateur Eh bien moi j'ai fait de lui un hors la loi je lui ai porté à les détruire j'ai fait de lui un hors la loi quatrièmement Moïse tu' un homme lucide un om lucid de hot kompreyansyon ki komprende les soz. E bie, adverse adil, mwen te komande le genosid. Mwen fe ke l metemoun yo kampe, paske nou sote li verse yo touta le apou. Poun wè, li fe yo kampe, selon exot 32, 27, 28. Kote ke lm, li fe yo kampe, yon ak tue lot yo paran yo. Lui dit, il était lucide pour ne pas faire ça. Eh bien moi-même fais le commettre le génocide. Dieu lui a commandé de parler au rocher. Cinquièmement, Dieu lui a commandé de parler au rocher. Eh bien je lui ai commandé de frapper le rocher. Et ces questions. Les questions que l'adversaire t'a kapab poser a l'archange, t'en dé sa bien. Après que M. Finn présente tout et e, 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 argument que l'archange te gagne yo, l'archange Michel a qui a-t-il obéi? Pour qui a-t-il travaillé? Finalman, pou ki etil? Siyoman, ou men, avek men nou ta pose denye kesyon sa, ki argument a kanj Michel pral prezante? Parce ke, l'akverser, ou msye, prezante l, ou ane, li vin reklame, el vin ak argument li gon kaye de chaj nan men. Alors, le temps nous fait vraiment défaut parce que nous voulons aborder l'argument et, et, et de l'archange avec sérénité. Nous voulons permettre que tout le monde bien saisisse sa capacité là, le rapport du verset 8 au verset 9, comprendre le cahier de charge présenté par l'adversaire, comment l'archange Michel Bral lui-même parlait. Toutefois, avant que nous abordions cette nouvelle partie, parce qu'elle est très intéressante pour nous, avant que nous abordions, je voulais poser quelques questions. petèk mèm 5. Les Izraelit, eske yo mèm yote byen agi a l'égard de Moïse? M'apreprèm, kestyon anko. Les Izraelit, ki qui an kité l'Egypt, Alors comment de Moïse Est-ce que tu as bien agi à l'égard de Moïse Si c'est non, il a prêtez ma attention, non. Comment un brebis t'a doué comporter face à un vrai serviteur de Dieu, un vrai berger humain Question de réflexion. Deuxième question, est-ce que nous arrivons à rendre compte de l'étreinte dit, de situation euh, de resserrement, situation de euh, dit, comment gagner un poids lourd qui a pesé sur les vrais serviteurs de Dieu est-ce que nous rendons compte de ça Troisième question. Pour qui ça Le diable s'intéresse-t-il à un corps de mort Autant que Dieu décide de protéger ce corps sans vie. Des questions, mes frères, que... Ou dwe pose yo? Ke m ap pose, men ke ou dwe pose tete ou tou. Poukwa le diap s'interes til a an kor mor? E ke Diyo deside de proteje se kor mor san vi. Katryen kesyon. L'atitude de la kanj Michel. Parouske se sa, pochenman nap genp ou nou. garder pour essayer de comprendre l'attitude de l'archange Michel. Est-ce que l'a aussi arrogante, même Jean, les faux prophètes comportés, les faux prophètes d'hier, d'aujourd'hui et peut-être de demain, est-ce que, parce que c'est là le, le parallèle que j'ai l'impression que Jude voulait établir, va ben me reprendre. Parce que Jude voulait établir un parallèle entre le verset 8 et le verset 9. L'attitude de l'archange michel le nopral étudié, est-ce que le nopral est aussi arrogante que les dangereux faux prophètes, façon que vous comportez dans les congrégations Et peut-être, puisque le nopral est ouvert à questions, Nabdi, dernière, dernière question, non, c'est de pure forme. N'êtes-vous pas curieux de savoir comment l'archange Michel a agi dans une telle situation Ceci étant dit, il se fait tard, nous arrêter là avec l'espoir que nous rejoint nous très prochainement. Parce que nous voulons aborder avec sérénité l'attitude de l'archange Michel. Pour comprendre, en tant que serviteur de Dieu, dans les situations les plus graves et les plus difficiles, comment nous devons agir. Avec l'espoir que nous allons rencontrer, on dit nous, en attendant, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il en soit ainsi. Amen.